Et bonsoir, bonsoir. Ça y est, bien arrivé à Aguilas. Ça y est, ouais. Avec une bonne navigation aujourd'hui. Ouais, bonne petite. Enfin, bonne. Enfin, ouais. Bonne et moins bonne. Bah, il y a eu de tout en fait. Il y a eu de tout, ouais. Bien content d'être arrivé ancré au port. Ouais, à côté du port. On est à côté du port d'Aguilas. Voilà, on est là. Hop. Et là, vous l'avez reconnu. L'ami Marco. Et demain, il y a un autre copain qui vient nous voir. Et demain, ouais. Visite surprise. Une bonne visite. Très bonne visite. Demain après-midi, normalement. Et puis voilà, donc on va rester à Aguilas ici le temps que le mauvais temps monte de Gibraltar. Normalement, c'est un jour, 24 heures. Bon, on va voir, on va peut-être temporiser. Et normalement, demain, il y a une éclipse. Oui, demain, il y a une éclipse. Enfin, demain. Mais la vidéo sortira, du coup... Oui, cette vidéo, je ne sais pas quand elle sortira parce que du coup on a eu un problème. On n'a pas eu le temps de faire la vidéo de dimanche. Donc du coup ça sera décalé. On va reprendre du retard à une semaine, 15 jours près, je pense. Donc là on est le 8 mars. Demain c'est le 8 mars. 8 avril, mon ami. 8 avril. Déjà ? Oui. Merde ! Je suis en retard sur mon planning. Oui, demain on sera le 8 avril. Donc il y a l'éclipse 8 avril qui est prévue. Et donc ça sera le 8 avril. Quand vous verrez cette vidéo, on parle du 8 avril de demain, l'éclipse. Voilà. Et nous, on sera parti déjà. Ouais. Et du coup, prochaine étape, normalement, Almeria, à côté d'Almeria. C'est ça. On va s'arrêter là-bas parce qu'on va faire 2-3 bricoles avec le poteau Marco. Et après, on se quittera avec Marco normalement. Almeria, je crois. Almeria, ouais. Marco, normalement, on doit se séparer pendant un petit moment. Nous, on va finir notre descente sur Malaga. Et puis voilà, un programme chargé sur Malaga. On l'a déjà dit, mais il y aura énormément de travail. Le carénage, encore point d'interrogation. On le fera peut-être pas à Malaga. On est en train de se renseigner pour le faire aux Canaries. Voir si c'est plus rentable au niveau tarif de le faire aux Canaries. Voilà, enfin bon, plein de trucs à suivre dans les aventures de la mafia nomade, hein, toujours. Exactement. Et puis voilà, bah, on est tranquille ce soir à Aguilas. Voilà, un peu fatigué. Fatigué, vidé, ouais. On a eu tout aujourd'hui, du coup la pression monte vite des fois. Et puis bah, pas le stress, mais c'est l'adrénaline. C'est ça. Et l'adrénaline, quand t'as l'adrénaline comme ça, quand t'es obligé de faire attention à tout, aux voiles, au machin, tac tac, à la houle, à contrecarrer la houle, là, là, du coup ça te vide. Et que c'est vrai que des journées comme ça de navigation, t'arrives, t'es vidé, hein, t'es fatigué. C'est vrai, ouais. Là on est fatigué. Ouais. Donc on va faire un bon petit qu'est-ce qu'on va faire ce soir, un petit plat africain ce soir, pour se remonter le moral avec du riz, du piment, et puis voilà, on va faire un espèce de tchéboudjène avec du poulet, mais avec le poulet, pas avec le poisson. Donc pardon les amis sénégalais, parce que je sais que normalement c'est du poisson, hein, mais nous on met du poulet. Voilà, bah parce qu'en même temps il nous reste que du poulet. On n'a pas attrapé aujourd'hui à la traîne, pas de poisson, donc du coup, et pourtant on a vu des jolis poissons sauter. On a vu une orphie sauter. Salma a vu une orphie sauter toute droite, comme ça fait bizarre, tu vois un truc qui sort de l'eau comme ça. C'est bizarre, ouais. Ouais, non, bah allez. Et ah oui, il faut dire aussi que à partir de Malaga, Charla, on va commencer à faire les navigations de nuit. De nuit, ouais, on va faire de la nav de nuit à partir de Malaga pour commencer à s'entraîner pour les 5 jours traversés entre Tanger et Canaries. Voilà. Donc, du coup, on fera un stop à Tanger, au port de Tanger. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a fait, quand on était avec le bus à Tanger, on a dormi juste en face du port. C'est dingue. Et on est allé se promener au port d'ailleurs avec ta mère. Ouais, c'est dingue. Et on était loin de se douter qu'on reviendrait un an plus tard avec un bateau. Mais bon, donc on ira au port de Tanger parce qu'il est tout neuf, à la marina de Tanger. On va faire le réapprovisionnement, tout ce qui est fruits et légumes pour la traversée jusqu'aux Canaries. On n'y est pas encore parce que Malaga, on va y rester un sacré moment. Mais bientôt, vous verrez de la navigation de nuit sur la chaîne de Mafia Nomade. Bon, aujourd'hui, on est à Aguilas. On a nettoyé un peu le bateau. Et là, on va donner un coup de main à l'ami Marco. Il fait chaud, hein? Il fait chaud, maminette? Là, on va aller. L'eau est plate. Hier, on s'est fait rouler toute la nuit quand même. Hein. Ouais. On s'est fait rouler toute la nuit, mais là, ce matin, ça s'est calmé. C'est un lac. On a nettoyé le bateau, le pont et tout ça. Et là, on va aller donner un coup de main à l'ami Marco, parce que Marco, il a déchiré son génois hier. On a eu du gros temps. Bah ouais, il fait nuit.
Ah, c'est pas une frontale, c'est la GoPro. C'est la GoPro. On va donner un coup de main à l'ami Marco à remonter son génois. Comme je vous disais, elle l'a déchiré. Donc du coup, on va lui donner un coup de main. Bah oui, hein. Je vais filmer tes muscles. Allez, vas-y, viens me réceptionner là. Viens me réceptionner là. L'eau, elle est claire. On voit au fond. Hein. C'est ouf. Je sais pas si on voit. Ouais, j'arrive. Ah, je monte par là-bas. Là, par l'entrée des artistes. Hein? Ouais. Ouais, tapis bleu. Waouh. La classe. La classe à Dallas. T'apprenais aux gens à nettoyer les bateaux, toi. Ouais. À l'abordage. Pirate. 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 Il va bien son bateau à Marco parce qu'on peut l'aborder pendant la nuit, il voit pas. Du coup, si vous avez besoin de pièces, c'est pratique. Ouais, mais tout pirate qui se respecte en au moins une machette. Hein. Fais gaffe. Ah, déjà, entre pirates, on s'attaque pas. Allez hop, à l'abordage. Permission de monter à bord, monsieur Marco ? Si, si. Allez, t'es fait go. Une entrée, tu passes à. Ah. T'es j'avais même pas vu en fait. Ouais, c'est parti, on va donner un coup de main à l'ami Marco qui va mettre son nouveau génois. Tu vois, j'ai des réparations là-haut, c'est trop épais, du coup ça me fait chier, donc on va essayer de le monter, mais si ça coince, ben, je devrais m'attacher pour venir le décoincer à chaque coup. Donc 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ok. Allez, let's go. Tu peux mouliner tranquille. Allez, on y va. Moulinette, ici. Moulinette. Le winch. Winch, winch. On winch. Up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make it. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict, cause she's sex, drugs, cocaine. Bon, Marco est bien redescendu en bon état. Vous remarquez qu'il lui manque pas une jambe. Enfin, presque. Ça dépend laquelle. Bon, il y a l'ami Jacques qui nous a rejoint, qui est arrivé, ça y est, qu'on a vu là-bas, qui nous a passé un petit coup de fil. Donc, il va falloir que j'aille le chercher, l'ami Jacques. Et puis voilà, et puis après, on va finir de monter ce génois. On essaye de le monter vite fait là. Vas-y, je me dis qu'il y a un pour moi. Là, il faut pas monter là, parce qu'on monte trop vite. Bon, aujourd'hui toujours à la Guilas. Ouais. Salut. Du coup, aujourd'hui on a fait la rencontre. Il y a un autre bateau au mouillage, donc il y a mon poteau Marco. Il y a l'ami Jacques qui est venu nous rejoindre. On a passé une super soirée avec Jacques hier, en privé. Ouais. Voilà, on a bien rigolé. On a passé une bonne soirée. Et on a fait la rencontre de Tchèques, un couple de République Tchèque qui navigue depuis un petit moment tout ça. Et puis Marco a eu un problème avec son génois, vous avez vu, donc du coup il va se le faire recoudre par les Tchèques. Et du coup j'ai dit, ah ouais, tu recoues, t'as la machine, impeccable. J'ai mon lazy bag, donc la pochette qui entoure la grande voile,
sert à la protéger. Ça, là. C'est au-dessus de sa tête. Du coup, il me dit, bah oui, je recouche, j'ai la machine. Donc je dis, bah moi j'ai mon lazy bag, j'ai ma fermeture éclair qui est décousue, tout ça, tu peux me le faire? Il m'a dit, bah oui, je peux te le faire. Donc du coup, là on est en train de démonter le lazy bag avec la minette. Alors ça n'a pas été facile parce qu'il faut tomber la balancine qui tient la baume devant pour pouvoir sortir le lazy jack, le lazy bag, pardon. Et du coup, là maintenant il faut le glisser du rail. Pour pouvoir sortir entièrement. Donc là, c'est un petit challenge, mais ça et va se faire. Il fait chaud. Et il fait chaud, bah oui, on est bien. Donc du coup, j'ai la grande voile qui s'est cassée la gueule parce qu'elle n'est plus retenue par le lazy bag. Et là, maintenant, il faut tirer. Alors, on va essayer d'y aller ensemble. Heureusement que je suis là. Heureusement. Qu'est-ce que je fais pour ma minette? Ouh, attendez, attention. Hop. Et là, maintenant, le but du jeu, c'est de la tirer hors du rail. Ça serait mieux par l'avant là, Minou, non? Hein, chérie? Hein? Par l'avant, non? Par l'avant? Ouais. Ah non, le rail il est derrière? C'est. Ok. Non, par l'avant? Par bah, je pense pour le sortir, non? Ah oui, pour la mettre, tu la mets par là. Peut-être que pour la sortir, on la tire par l'autre côté, peut-être. Qu'est-ce je ferais sans ma minette, moi? Je sais pas. On va voir si ça gêne pas. Ouh, attends, je vais m'asseoir. Eh oui, c'est peut-être ça, la minette a raison. La minette a raison pour la On sortir, a toujours pour la raison, rentrée. Nous les femmes. Pour la rentrée, il faut la mettre par devant. Vous voyez pas des. Vous voyez voir des choses bizarres. Attends. Et non, ma minette. Et non, ma minette, on passera pas là. Ah ouais. On passera pas parce qu'il y a la grande balle qui est dans le rail. Bon, et y a les rides, là. J'ai pas raison. Donc faut bien la sortir par derrière. À mon avis, on va bien se faire chier. Hein, parce que ça doit être bien casse-pied à mettre. Donc faut la sortir par là-bas. Donc, tu as raison, chérie. Pour une fois que j'ai raison. Il faut bien la sortir par là. Ok. Ça va être bien marrant. À mon avis, tu sais quoi, il faut la passer que d'un seul côté. Ouais. Il faut la passer que d'un seul côté pour avoir plus de force pour la tirer. Ok. Bon, ça y est, enfin, on a réussi à sortir le Lazy Jack. Lazy Bag. Pas Lazy. Pourquoi est-ce que j'ai avec Lazy Jack, moi toujours, bah, Jack, c'est whisky là, plutôt. Ah ouais. Bon, pas de whisky en plus. Le Lazy Bag, ça y est, il est enlevé. Donc j'ai le monsieur là qui l'emmène tranquillement hop, à son bateau. Il va me faire la couture du bag. Et comme ça, donc là, vu qu'on a tombé la grande voile, enfin en partie, et qu'on a enlevé le Lazy Bag, on va en profiter pour nettoyer la baume. Parce que la baume est un peu dégueu. Donc du coup, vu qu'elle est tout le temps à peu près cachée par le lazy bag, on peut pas trop y accéder. Donc là, on va y mettre un produit miracle. Oui. Je sais pas si c'est lui soit la crème de mamie. On va voir. C'est comme la crème de mamie, ça va renettoyer l'aluminium. Bon, pendant que les amis tchèques font de la couture, nous on part en ville. Donc on a débarqué avec l'annexe et du coup on va rejoindre le poteau Jacques qui nous attend, qui s'est garé avec son camping-car là-bas. Donc du coup on va le rejoindre à pied. On va en profiter pour faire 2-3 bricoles aussi. On sait pas si on part demain encore. On sait pas, on est en train de réfléchir. Alors là où on est ici à Aguilas, ça fait le 3e ou 4e escalier que je vois comme ça. Où il y a de la peinture. C'est vraiment sympa. On essaiera de vous en filmer un tout à l'heure d'un peu plus près. Tous les escaliers sont peints, c'est super joli. Donc du coup l'ami Doral est là-bas au mouillage. Avec le bateau à Marco que vous reconnaissez et puis les amis tchèques donc qui sont devant. Qui sont en train de nous rendre service. On est trois au mouillage. Et les autres petits bateaux, c'est les bateaux, je sais pas, ils sont là à l'année je pense. Il n'y a personne dessus. Donc là on va marcher, rejoindre mon ami Jaco. Et puis voilà, puis après on va faire 2-3 bricoles dans les magasins. Je vous ai pas filmé hier parce que j'avais pas pris ma GoPro, j'avais pas de batterie. J'ai enfin trouvé mes poulpes, mes petits poulpitos pour la pêche à la traîne. Donc du coup j'ai acheté des. Je vous montrerai ça en détail. J'ai acheté des poulpes, j'ai acheté des olives, j'ai acheté des petites perles pour pouvoir reculer l'hameçon et un gros hameçon, vraiment un hameçon balèze, un dedans. C'est dommage, les déchets là. Ah ouais, la plage elle est dégueulasse. Là, franchement ils abusent. Ah il y a plein de sacs plastiques et tout. C'est abusé là. Même la plage. Ouais, ça c'est une catastrophe, les gens ne prennent pas conscience que tu jettes pas tes trucs dans la mer ou sur la plage ou par terre, même dans la rue, tu jettes pas tes affaires. Catastrophe. Donc bref, je vous montrerai ce petit poulpito pour la pêche et puis en espérant qu'on attrape des belles bonites hein, cette fois-ci. Parce que là, j'ai pas trouvé que c'était super cher, mais bon, on a acheté, on a dit allez, on prend ça, comme ça au moins c'est fait.
Donc voilà, Maminette. Demain, fin du ramadan. Eh oui. Aujourd'hui, il fait chaud et j'ai très très soif. Demain, jour des gâteaux. L'Aïd. Donc demain, on montrera. Salma va faire la jolie table comme à son habitude. Et on fera la jolie photo de l'Aïd comme à notre habitude. Qu'on mettra sur les réseaux d'ailleurs, sur Instagram. Et puis, voilà. Ça sera passé quand ta vidéo. Oui, bah oui, ça sera passé. Bah oui, on est en retard. Hein. On n'est pas en retard de beaucoup, on doit être en retard de 15 jours, mais bon. Donc voilà la jolie baie d'Aguilas. Vraiment sympa, hein. Aguilas aussi, c'est vraiment sympa. Je préfère Torrevieja en termes de ville. Par contre, en termes d'accessibilité, Aguilas c'est 10 fois mieux que Torrevieja. C'est beaucoup plus simple pour accéder à terre. Et la ville est tout de suite tout autour. On n'a pas besoin de trop marcher. Il y a Indilla, il y a pas mal de magasins, Lidl, etc. qui sont tout de suite en centre-ville. J'ai trouvé que c'était un peu plus accessible pour les plaisanciers qui viennent et qui débarquent à l'annexe. Mais sinon, en termes de... Je préfère la ville de Torrevieja, elle est un peu plus jolie. Donc voilà. Et bah c'est parti, on va rejoindre l'ami Jaco à son camping-car. On va aller faire une blague à Jacques. Ça y est, on est arrivé sur le parking. Un grand parking autorisé pour se garer ici en camping-car. D'ailleurs, si vous passez sur Aguilas, j'ai pas le parc Fortnite, mais je crois que c'est derrière une école. Il y a plein de camping-cars qui se garent ici. Des vannes et tout ça. Là, il y a l'ami Jaco, il est là-bas. On va y aller, on va lui faire une blague. Chut, les filles, faites pas de bruit. tu fais police ? Ça se trouve, il nous voit. Il nous a vu peut-être. Non, je crois qu'il a... Les filles. Chut. Zaina, tu fais une blague à Jacques ? Oui. Tu dis police. Pas police. Non, tu dis policier. D'accord. Non mais attends, on n'est pas à la retraite nous si tu veux, hein. Ça va mon Jaco? Non. Tu te réveilles? Non, je regarde un film. Tu regardes un film? Autant on emporte le vent? C'est bon, t'as pas fait peur. Bon, vous l'aurez reconnu, c'est l'ami Jacques. Jacques, c'est un ami très proche, hein. Donc du coup, là où on peut se trouver, on se trouve. Du coup, on est venu le voir un petit peu, passer un petit peu de temps avec lui, même si on a passé une super soirée hier. Et puis là, on va aller faire 2-3 bricoles. On va aller se balader quoi, on va profiter de l'après-midi, tranquille. S'il y a des choses à filmer, on filme à la caméra, comme d'habitude. On met ça sur YouTube, les copains, on partage. On fait des bisous, on vous dit à tout à l'heure. Ouais. On a fait un petit tour avec le père Jacques au Aguila Plaza. Donc c'est le grand centre commercial qui est à Aguilas. Du coup, on a fait 2-3 courses, on a profité pour faire l'eau aussi. Et je trouve qu'on a payé excessivement cher d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. On en a fait ce qu'on avait à faire. Là, il y a l'ami Jacques qui arrive en camping-car. Du coup, on va profiter qu'il soit avec nous pour charger les courses. Il va nous déposer à la plage et comme ça, bah, le même cinéma que d'habitude, on charge l'annexe et on rentre au bateau. Voilà. Et ce soir, Jacques, il passera à soir avec nous. Quand je rentre, il faut que je remonte mon lazy bag. Il faut que je pense à... Ah oui, il faut que je pense à remonter mon lazy bag, tout remonter correctement, pipafou, pour être prêt pour partir. Est-ce qu'on partira demain? Je ne sais pas. Peut-être après-demain, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. On n'a pas de programme. On n'a pas de programme. On va voir si on profite avec la soirée avec mon ami Jacques. On va voir, voilà. On pourra pas jouer au tarot à notre grande habitude, parce que normalement quand on trouve Jacques, on joue au tarot. Mais on est 4, il y a son fils Nathan qui est avec nous. D'ailleurs Nathan lui fait des bisous. Et bah là on pourra pas faire de tarot, mais bon. Enfin on pourrait jouer à 3 encore, mais bon. Donc voilà, on va passer la petite soirée tranquillou à Aguilas. J'ai fait un point météo, ouais ça a l'air de souffler un peu, mais pas trop. Donc on pourrait partir demain, on va voir. Si on n'est pas prêt, on partira après-demain, c'est pas très grave. De toute façon, on est presque à notre destination, deuxième grosse destination du voyage. Après Valencia, Malaga. Et il nous reste plus beaucoup de milles pour arriver à Malaga, mais bon, beaucoup de choses à faire. Le camping-car de l'ami Jaco, ça y est, il vient d'arriver. Bah du coup, on va profiter, on va charger course tout de suite, et puis on se revoit plus tard. Bien rentré au bateau, au mouillage, toujours à Aguilas, ça change pas, oui, tu le sais bien. Il y a l'ami Tchèque qui m'a ramené du coup mon lazy bag. Donc du coup, le problème qu'il y avait, c'est que voilà, bah, la couture était défaite ici, donc là ça baillait sur 1m50 et du coup bah, le lazy bag se fermait pas complètement et c'était un peu galère et puis il continuait de s'abîmer. Donc du coup la couture a été refaite nickel et du coup on va pouvoir le remettre. Alors on est en train d'inspecter, il y a des trucs de cassé qui ont mal
Ouais, c'est ça. Les fermetures comme ça, les petits clips là, qui ont, à force avec le soleil, les UV, tout ça, puis la vieillesse, qui ont claqué. Donc du coup, il va falloir trouver une autre solution. On va peut-être mettre une petite garcette pour fermer le lazy bag, donc du coup sur l'avant, pour pas qu'il s'ouvre. Et puis voilà, puis on va remonter tout ça parce que là c'est un peu le bordel. Hein. Si tu veux, regarde, la GV est par terre. La grande voile, elle est par terre sur le bateau. Il va falloir tout remettre correctement pour pouvoir renfiler le lazy bag. Et bah, c'est parti. Il y a l'ami Jacques qui est venu du coup me donner main forte. J'en profite qu'il soit là, mon poteau Jaco. Bah oui, il va venir d'un coup de main. C'est pas comme s'il connaissait pas les bateaux. Hein. 12 ans de rallye, pilote de course, pilote d'avion, pilote de fusée. Crois-moi que ça déboîte n'importe quoi que t'as, tu peux lui faire confiance, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on va remonter ça et puis on vous montre le résultat final parce que là, on a besoin de toutes nos mimines pour pouvoir faire ça correctement avant que le soleil se couche. Ben oui, on a eu une grosse journée, course, machin, etc. Ça fait toujours courir. Départ peut-être pas demain, du coup, départ après-demain, mais bon, c'est pas grave, on est plus pressé par le temps, donc on verra ce qu'on fait par la suite. Mais bon, je pense départ après-demain. Donc voilà, c'est parti, allez. Tu vois l'horizon là? Hop, hop, hop. Et ben, on te montre après comment c'est fini, tout bien mis correctement. Et puis voilà, tu vois, ça va faire joli. Et bonjour, ce matin c'est la fête de l'Aïd. Et oui, ça y est. Ça y est, le ramadan est fini, fête de l'Aïd. Donc des petits gâteaux pour célébrer l'Aïd. C'est la fête des gâteaux aujourd'hui. Donc des petits gâteaux chocolat, amandes, confiture, etc. Des petits loukoum, des petits macroutes. Petits macroutes, des bonbons. Ah oui, faut pas oublier les bonbons. Faut pas oublier, bon. Donc aujourd'hui, petite fête de l'Aïd, on va célébrer ça en famille. Elles se sont fait toutes belles. Regardez comme vous êtes belles. Les trois princesses, les trois mousquetaires. Donc on va célébrer la petite fête. On est toujours au mouillage là où on est. Et du coup, complication. Alors ça, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier parce que c'était quelque chose de pas prévu. Mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Ok. Petit tampon. Complication hier, oui, on a récupéré le lazy bag, on a commencé à vouloir l'installer, etc., etc. Et on s'est rendu compte avec mon pote Jacques, heureusement que Jacques était là, Jacques c'est notre ange gardien, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se croise, bon, on se croise pour prendre du plaisir ensemble, etc., et puis passer, partager des moments, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il est là, il est là et c'est jamais pour rien. Et hier, donc on va pour remettre le lazy bag, et en fait on s'aperçoit que la grande voile est pas dans le rail de la bombe. Du coup on a navigué toujours avec un rime depuis qu'on est parti avec le bateau. On a jamais déployé la grande voile entière. On avait toujours un rime, donc le premier rime qui était pris. Et du coup on s'est pas aperçu quand on a défait le premier rime que là en fait en bas, à la place du rail, dans le rail de bombe, à la place d'avoir la grande voile qui se glisse à l'intérieur, donc pour la caler vers le bas et la tirer vers le bas, c'était le lazy bag qui était pris et la grande voile n'était pas prise. Donc gros problème. Donc là du coup on a modifié ça, enfin on va modifier ça. Du coup alors, c'est un peu le bazar. Du coup, on a tout laissé en plan hier soir parce qu'il faisait nuit. Un peu galère de finir la nuit. On a repassé la grande voile dans le rail, qui est ici. Problème, le lazy bag ne rentre pas dans le rail. En fait, on ne peut pas mettre et ce qui sert à rentrer dans le rail, donc pour ce qui est la couture avec le bourrelet qui est de la grande voile, rentre dans le rail de la bombe, mais on ne peut pas mettre et le lazy bag et le rail et le bourrelet de la grande voile. Je vais y arriver.
Donc du coup, on s'est dit, on va faire une modification au niveau du lazy bag, parce que si t'as pas de lazy bag, c'est le problème, c'est que ça dégueule de partout la grande voile quand tu la tombes. Tu vois ? Donc pas glop. Donc du coup, on va faire une modification. Après, on s'est aperçu qu'il manquait des choses et tout ça. Le deuxième ray était pas tiré. Enfin bref, pareil qu'on n'a pas fait la vérif. C'est un peu de notre faute. On aurait dû faire la vérification avant de partir. Mais bon, c'est vrai que ça s'est pas fait. Mais du coup, Jacques a dit bon bah c'est pas grave, on va reprendre tout de zéro. Donc le rail, c'est réglé. La grande voile, elle est réglée, elle est dans le rail. Maintenant, il faut faire la modification du lazy bag. Donc la modification du lazy bag, c'est simple. On n'a pas de quoi faire de la magie pour l'instant, mais il va falloir trouver une solution d'urgence. Donc vu que c'est un lazy bag qui est un peu vieux, on va le couper en deux. On va le scinder en deux. Vous verrez par la suite. On va le faire des œillets pour pouvoir le rifter sur la bombe, bien propre, et pouvoir réentourer la grande voile quand elle descend, pour qu'elle soit tenue derrière avec les lazy jacks. Donc quand on la descendra, elle tombera dans le lazy bag, elle dégueulera pas des deux côtés. La suite, ça sera certainement de refaire un lazy bag sur mesure pour que il soit en bon état et puis qu'il soit fait correctement. Et puis du coup, on a retiré tous les riz et tout. On s'est fait chier, hein. Franchement, on s'est fait chier. En plus, on n'y voyait rien. Mais bon, heureusement qu'il y avait l'ami Jaco. Donc là, du gros travail en perspective. Je pense que là, on en a pour la journée. Encore une fois, on partira pas aujourd'hui. De toute façon, la météo s'y prêtait pas. Mais du gros boulot. Et puis, tu vois, regarde. Tout est détendu parce qu'on a tout tombé. Donc les lazy jacks sont tout détendus. C'est limite emmêlé, il va falloir tout démêler. Enfin bref, c'est un peu cassette. Hier j'étais un peu pas énervé, mais je sais pas, ça m'a contrarié. Voilà, ça m'a contrarié. Donc bon, c'est pas très grave. De toute façon, le fait de le faire comme ça, ça permet aussi de voir comment faire. Donc on apprend. Il faut sortir le côté positif des choses, on apprend de ça, et comme ça la prochaine fois on saura le faire. Voilà. Mais là il faut tout refaire à zéro, repasser la grande voile, bon ça a été fait, mais derrière il va falloir la relever, il va falloir faire l'installation du lazy bag, il va falloir qu'on aille en ville aussi pour acheter ce qu'il faut, parce qu'on n'a pas forcément ce qu'il faut. Il faut des grosses rondelles, des œillets et puis des rivets pour pouvoir rifter dans la bombe bien propre. Donc du coup voilà, pas mal de taf, mais bon, c'est comme ça, ça fait partie de l'aventure. Marco, lui, pareil, il a des soucis avec son guindeau électrique. Marco ! Ouais ? T'as un problème avec ton guindeau ? Ouais. Voilà, donc le guindeau à Marco a regardé aussi. Il a changé son génois, bon ça vous l'avez vu dans les vidéos. Et là, t'es en train d'installer quoi là ? La trinquette, voilà. Avant-hier, j'ai pris branlé, je l'avais pas, je l'aurais eu, je l'aurais pas déchiré l'autre. Voilà. Donc avec le mauvais temps, s'il avait eu la trinquette, il aurait sorti la trinquette au lieu du génois. Parce que là, il a déchiré son génois, donc du coup, il était obligé d'en mettre un autre. Ouais. Elle est belle, hein. Donc voilà, plein d'aventures encore à suivre. Ben voilà, ça s'arrête jamais, t'as compris. Hein. Ça, c'est ça qui est bien en bateau, c'est que tu t'ennuies jamais. Donc là, on va finir, on va manger 2-3 gâteaux. On va aller chercher mon pote Jack aussi, qui va pas tarder à arriver, je pense. Et puis après, on ira faire quelques emplettes pour finir ça. Il n'y a pas de chip ici, là où on est. Il n'y a pas de chip lander, donc pas de magasin spécialisé pour les bateaux. Alors bon, nous on cherche des rivets en alu et puis des rondelles en alu pour faire ce qu'on a à faire et des œillets. Donc ça, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher un chip. On peut en trouver dans une quincaillerie ou peut-être au Super China. On ira voir là-bas s'il y a peut-être. Et on fera cette modification qui va être vraiment compliquée parce que il va falloir faire gaffe on coupe et tout ça. C'était pas prévu, donc quand c'est pas prévu, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, on va s'en sortir, hein, y a pas de souci. Voilà. Bon bah allez, je vous dis à plus tard pour la suite. Et puis voilà. Et puis on vous dit à plus tard pour l'aventure. Maminette ? Oui ? À plus tard pour l'aventure ? À plus tard pour l'aventure ! Moi je vais manger des macroutes. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Ça y est, on a récupéré l'ami Jacques ! Wouhou ! Bon, alors pour expliquer ce qu'on est en train de faire, comme je vous disais ce matin, on va modifier le lazy bag d'origine. Donc là, on est en train de le couper en deux. Enfin, Jacques est en train de le couper en deux, dis-moi. Et on va faire deux parties distinctes. Et on va utiliser cette partie qui est très très dure, c'est pas du tissu, je sais pas ce que c'est du plastique. On va utiliser cette partie pour rifter derrière sur la bombe, pour refaire le lazy bag, mais qui est complètement scindé à la bombe en réalité. Donc on va tenter de faire ça, et je pense que de toute façon ça c'est provisoire, on refera un lazy bag sur mesure après là où on pourra le faire. Mais au moins déjà ça fera pas ça avec la grande voile, parce que tu vois quand elle tombe et qu'on enlève le lazy bag, et il faut la plier et la ceinturer avec quelque chose pour pas qu'elle dégueule sur le pont quoi. Salut salut. Salut salut. Salut. T'as vu, je fume des rivets. Bon voilà l'idée avec l'ami Jaco.
Du coup, on a coupé les Ijacs, ça, vous avez, les Ibacs, vous l'avez vu. Et là, on rivette avec des. On rivette avec des rivets. Et des petites rondelles. Et du coup, bon, voilà, on va la fixer comme ça tout le long. Et après, hop, ça viendra tirer vers le haut sans que ça passe sous la bombe ou à l'intérieur, vu que maintenant il y a la GV qui est dans le rail. Le lazy, alors c'est, je répète, hein, en fait, je sais pas si je l'ai montré hier, mais le lazy bag était à la place de la grande voile sur le rail. C'est pas bon. Donc du coup, modifié. Donc du coup, on va faire solution provisoire et puis on refera faire un lazy bag complet. Voilà, on refera faire ça. Mais pour l'instant, on en a besoin parce que sinon c'est trop la galère. Hein. Ça, ah bah oui. Ça dégueule comme ça et t'es obligé de saucissonner et tout avec la houle. Ouais, quand on a vu que ça n'était pas chouette. Donc l'ami Jacques a eu cette idée phénoménale. D'ailleurs, tu aurais dû déposer un brevet, je crois. Ça se voit que le mec, il a monté des accessoires sur des bateaux pendant 30 ans. Combien ? 20. 20 ans. On l'a appelé, un soleil de plomb. Et tu verras qu'il manie bien la perceuse et les rivets. On l'appelait le poinçonneur de Rodon. Bon, c'est là que je mets ma force à l'exécution. Ah non, tu vois, il veut tout faire. Ça lui rappelle sa jeunesse quand il travaille. On va pas le priver de ça. Tu veux que j'appuie peut-être ? C'est la bombe ? Allez. Et en plus, travailler quand il y a de la houle, c'est merdique. Hey, ça bouge tout le temps. Il n'y a que les gens qui ont un catamaran qui bouge pas. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. Bah oui, un catamaran, c'est vrai. Si tu prends ouais. Si il est stable avec ses deux trucs, il est plus stable, Jacques. S'il y a de la houle, il bouge pas. Ouais, il bouge pas. Enfin, après, sur le canal du Midi, tu bouges plus. Hein. Ça reste à plat, quoi. Moi j'avais pensé faire le Rhône, mais avec les péniches et tout, t'es emmerdé. Oh ben... Et tu remarqueras la technicité. Non, Eliana, tu descends. Non. On peut se mouiller et on peut. Ouais, on peut l'écarter. Hein, oui, mais après. Ouais. Ouais, ça sert à rien. Là, ça sert à rien. Sur le renfort, ça sert, mais je dirais après ici, là, ça sert à rien. Après, ça, je peux le découper au cutter bien propre. Bon, voilà l'idée. Voilà l'idée, vous l'aurez compris. Rifter sur la bombe, dans le rail de la bombe, hein, du coup. Hein. Alors, ici. Donc, rifter sur le rail avec une petite rondelle. Une petite rondelle comme ça, arrivé pop. Et du coup, on a pu réinstaller les e-bags en position pour pouvoir accueillir la grande voile quand elle descendra. Voilà. Donc, ça, je répète, c'est temporaire. On remettra un lazy bag neuf, voilà, ou je sais pas, mais on le fera. Il y a des partenariats qui arrivent très intéressants pour le monde de la voile. Et donc peut-être qu'on verra, avec eux, on négociera quelque chose, mais on vous en parlera bientôt. Et du coup, on fera ça et on refera faire la capote aussi, du coup, parce que vu qu'elles sont de la même couleur, on refera une neuf, machin. Enfin bref, on se débrouillera. Mais bon, déjà, au moins, on sera sauvé là pour la grande voile. Elle va pouvoir rentrer dans son lazy bag. On fera les réglages après pour bien que ça soit tendu. Et puis on zippera ce soir. Et puis normalement, ça devrait le faire. Voilà. Bon, on va faire une petite pause. Petit café avec des petits macroutes. Merde. Des petits macroutes. Bon, Jacques, il est interdit de macroutes. Lui. Jacques, tu m'as fait pas manger les macroutes. Lui, c'est plutôt les gâteaux Wet Fatcher. Hein. C'est comme ça. Et après, on rattaquera. On va faire l'autre côté, du coup, parce que il reste tout l'autre côté à faire. Et finalement, cette solution, elle est vraiment bien. Parce que. Bah, je me demande, en fait, je me pose la question pourquoi les fabricants font pas des trucs comme ça direct en fait. Pour les gens qui ont la grande voile qui rentre dans le rail. Parce que si tu trouvais un moyen de clipser dans le rail de la bombe extérieure, en fait, ce serait beaucoup plus facile à installer. Mais bon, du coup, on a peut-être mis le doigt sur quelque chose, peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que t'en penses, mon Jacques ? Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire, non ? Oui. Viens, on monte une start-up et on développe ce projet. Maminette, une petite start-up. En Californie. Bon voilà,
Le soleil est toujours là, ça fait plaisir. Par contre, on a un peu de houle, donc pour travailler, c'est un peu casse-gueule des fois, mais bon, on n'a pas le choix, ça, on subit. La mer, c'est elle qui décide pour tout. Tu subis, c'est comme ça. On vous dit à plus tard pour la finalité. On va pas vous filmer de l'autre côté, mais quand on fera la descente de grande voile et qu'on zippera, on fera un petit tour d'horizon pour voir si tout va nickel. Mais je pense que ça va le faire super bien. Voilà. À tout à l'heure. Hey Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.